Salut à toutes et à tous, ici Dixon 91 en compagnie Clémentinos. Salut, salut tout le monde. Donc, on se retrouve sur Minecraft, on recommence tout au sur tout. Minecraft, t'as dit sur Minecraft, hein. Terraria. On recommence tout, tout, car il y a une mise à jour, la dernière mise à jour, la 1.3.0. J'ai bien dit, ouais. Ouais, 1.3.0.3. Donc, il y a plein de nouveautés et on va les découvrir avec vous. Hein. Donc, on va commencer immédiatement. Hein. Pour l'instant, rien n'a trop changé à part le cuir qui est revenu. Et. Ah merde! Putain, j'ai une habitude. Ouais, à part le cuir qui est revenu et deux, trois choses là visuellement. Là, visuellement, si vous voyez, il n'y a rien qui a changé. Ouais, il n'y a rien qui a changé là. Ah si, bah si. Mais je rigole. Si. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant on peut donner un style à notre perso. Tous les deux, on a décidé de se mettre une cape. Lui, il l'a fait en rouge avec un maillot rouge, et moi je l'ai fait avec un maillot bleu. Avec un pantalon gris, lui il a fait un pantalon noir et des chaussures marron qui est pour lui, moi des chaussures noires. Cette vidéo est dédiée au relooking Terraria. Voilà, c'était. Comment devenir beau en 2 secondes. Donc, nous on va refaire le château. Donc. On a essayé de tourner sur la 1.2, enfin j'ai vite fait visiter si par j'ouvrais le serveur etc, mais par problème c'est que la map a déjà été générée en 1.2, ce qui fait qu'il y a des petits soucis que nous on a découvert en solo. Il y a des manques de choses, il y a beaucoup de manques de il y a des biomes qui manquent parce qu'il y a des nouveaux biomes qui sont arrivés sur la 1.3, il y a quelques petites choses qui manquent, donc on va continuer sur la même map. Et on s'est dit bah on va tout recommencer, hein. Malheureusement. On allait quand même faire un beau château, Mais on s'est dit qu'on va le refaire quand même. C'est... Ah moi je vais le refaire, moi je veux le refaire ce château parce qu'il était vachement bien. On a commencé à s'organiser un petit peu et là on voit sortie d'un point 3. Je vois une mise à jour, j'envoie un message à Clément, il fait non arrête. Eh j'étais choqué. J'ai fait oh non putain. Parce que du coup ça a changé beaucoup de choses, ils ont pris quand même un an à faire la mise à jour. Et nous en un an bah on avait pas on avait arrêté de jouer à Terraria etc. On a pas eu le temps de tourner la 1.2. On avait fait une survie à 1.2 mais on avait pas filmé. Pour découvrir et après on a arrêté. Bon on aurait dû. Et là c'est pas grave, on va faire 1.3 donc il y aura la 1.3 plus la 1.2. Mais bon on va pas tout dire depuis la 1.2 parce que moi la 1.2 c'est bon, je la connais. Pareil. Et c'est important qu'il faut la découvrir maintenant. Donc je suis allé un peu à gauche et j'ai trouvé des petits trucs intéressants. Un petit coffre avec un truc qui s'appelle le radar équipable detect enemy around. C'est-à-dire que ça détecte les ennemis aux alentours. Exactement. Donc, je sens que ça va être long le château à faire. On va rechercher le bois, faudra. On fait une ellipse et on fait tout ça ou pas? Tu veux faire une ellipse pendant qu'on aplatit le terrain, etc. Qu'on aplatit le terrain, qu'on commence à faire la structure, etc. Tu veux tu vois ou pas? Ouais, je vois. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ah, moi je suis d'accord, hein. C'est vrai que c'est très chiant. Donc, c'est super chiant de montrer. Petite ellipse, à tout à l'heure les gros. À tout à l'heure. Re tout le monde et bienvenue dans notre base de survie. Magnifique base où se fait envahir par les monstres. Pendant qu'on était en train de jouer, bordel. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. En train de jouer. Oh regarde à droite, tu peux voir combien il y a d'ennemis autour. Ah ouais, c'est pour ça, c'est pas mal. 6 ennemis autour, ah c'est bien. Bah on vous a montré une nouveauté, regardez. Vous êtes prêts ou pas? On va vous montrer aussi une nouvelle nouveauté. T'es prêt ou nous cette porte, hein? Et voilà. Je sais pas si vous l'avez bien vu mais c'était... Regardez, vous avez vu? Regardez le PNJ. Attendez, on va le vous montrer. Regardez le PNJ, regardez-le. Regardez. Regardez bien. Aide-moi monsieur PNJ. Vous avez vu? Il tire des flèches maintenant.
Maintenant, les tous les PNJ ont des attaques, à eux-mêmes. Hein. Puis ça, c'est vachement utile parce qu'avant, les PNJ se faisaient défoncer. On était obligé de venir et de les défendre. De faire non, touchez pas aux PNJ. Maintenant, bah, ils peuvent se défendre, même s'ils font pas d'énormes dégâts. Ils peuvent quand même se défendre. Je me suis fait. C'est notre petite base de survie. Je me suis fait un stuff à la va-vite. Hein. Ah ouais. Fais-toi-en aussi. Voilà, on a plus de régène. Puis il y aura aussi d'autres nouveautés bientôt qui vont pas tarder à apparaître. Je pense que la saison 2, je vais la stopper. Enfin, je vais même l'arrêter. Tu vas l'enlever ? Ouais, je vais. Enfin, celle-là, ça sera. Elle remplacera la saison 2 en fait, si tu veux. Ouais, je vois. Je vais dire que. On arrête truc et qu'on. Enfin, vous verrez. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Re. Tout le monde. Tout le monde. Le monde, tout le monde. Donc, vous pouvez voir que ça a beaucoup évolué. Bon, à part si vous avez vu la vidéo où je m'étais excusé moi-même, selon le temps qu'on a mis pour la 1.2, on est venu à vrai. Toi aussi, dis désolé parce qu'il y a avec moi qui m'excuse. Je suis très désolé pour ce manque de présence pour la 1.2. On vous a rien montré. C'est pas grave. Nous allons nous rattraper avec la 1.3. Nous rattraper avec la 1.3 et nous avons refait. Après des années, de longues années de reconstruction, nous avons reproduit le château. On va dire qu'on se trouvait dans la 1.2 qu'on avait fait. Je crois qu'on a mis 2 jours, non, à faire ça. Ouais, on a mis 2 jours parce qu'on n'a pas geeké dessus, on n'a pas. C'était pas à fond dedans. En plus, on s'était trompé sur les petits détails, ça rentrait pas trop sur les tours. C'était un petit peu trompé. Ouais, ça arrive de faire des erreurs. Et on a fait des petites modifications. Donc, les toits des tours, on a modifié, ça rend un peu mieux. Je crois que tout en bas, c'était pas en pierre, c'était tout en bois, je crois. Ouais, c'est pas grave, ça rend mieux, encore mieux. Bon, voilà, on a eu chez ça comme. Ouais. On a eu choisi comme modification, mais il est très ressemblant. Tiens, je te passe les chaises, tu mets les chaises et moi je mets les tables. Ok. On s'occupe des. On est très rapide maintenant parce que. Là, on va faire les petites salles de PNJ pour qu'ils reviennent, etc. Bon, il n'y aura pas les mêmes PNJ qui vont revenir vu que là faudra avancer dans le jeu. Et puis voilà. Et puis, on n'a même pas détruit l'abri de fortune. On va mettre notre abri. Non mais je vais le détruire après. Notre premier abri nous a servi à cacher les monstres. À un moment, à la fin de cette vidéo, on va vous montrer un petit moment délire. Hein. Ah ouais, non, c'était très drôle d'ailleurs. Convient. Ouais, tous les logements, ils conviennent comme d'hab. Donc, nouvelle mise à jour que dans la 1.3 qu'on vous a pas dit. Maintenant, il y a des. Si vous. Normalement, dans la 1.2, vous connaissiez pas. Donc, il y a le marchand puisqu'il vient d'arriver. Les bannières servent à vous procurer des dégâts et de la résistance face aux. Selon la bannière que vous avez. Nous, comme on était en train de faire le château, il y avait des zombies et des slimes qui étaient intervenus. Donc, on s'était buté contre des slimes et des zombies. Donc, on a obtenu un achievement au bout du 50e zombie ou 50e slime que vous tuez. Vous obtenez une bannière et cette bannière vous procure de la défense. En gros, vous résistez plus aux slimes et mais vous faites encore plus mal aux slimes. Pareil pour les zombies. Voilà. Ouais, et c'est ça. Il y a différents bannières aussi, et j'en ai une sur moi là. Bannière de slime bleu que j'avais avec mon autre perso que vous avez dû voir où je m'excusais, etc. Bref. Exactement. Donc ça donne un certain boost dans la zone. En gros, je pense que ça va être dans la zone du château quoi. En gros, ça va donner un boost dans le château quoi. Ça te dit que dans les tours on met aussi des tables et tout pour les accueillir? Ouais, mais ça on fera. Tu veux faire maintenant? Bah si on fait maintenant on sera déjà tranquille tu vois ou pas. En plus on a même pas fait les salles au dessus tu sais, nos chambres. Ouais donc ouais bah ceux qui ont pas vu la 1.2, on avait dit que en bas, enfin bah, celle ouais, allez voir, mais je vais quand même leur expliquer. On avait dit que en bas ce serait les chambres des PNJ. Et que là où on est dans le bâtiment, dans l'espèce de maison qui est en haut quoi, en gros le gros bâtiment, ce sera en gros notre maison à nous.
Donc on aura chacun un étage, je crois que c'était ça, ou non? Ouais, ouais. On avait où on avait un côté droit à nous et... Toi t'étais à droite et moi j'étais à gauche, t'étais en dragon. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, dans nos chambres, on n'accueille pas des PNJ, hein. C'est mort. Non, bah non, on n'accueille pas des PNJ. On mettra pas de... On mettra un lit, etc. Ouais, un coffre spécial à nous. Moi je mettrai un coffre rare, enfin un coffre bien rare. Ouais, qui est stylé un peu, enfin... Je crois qu'il y aura deux étages pour les salles des coffres ou pas? Ouais, c'est ça, on avait dit ces deux étages. On avait ces deux étages pour ça des coffres et tout en bas ce serait là où il y aurait les fours, l'enclume. Ouais, on va aller chercher. Tout ce qui permet de craft les matériaux, etc. Et dans les tours, bah ce sera tous les PNJ qu'il y aura en gros. Il y aura de... Alors je sais pas si l'infirmière, tu veux pas la mettre tout en haut par hasard? Pourquoi l'infirmière tout en haut? Par exemple, parce que quand on va. Par exemple, on va faire des boss, si on veut se heal pendant un boss. Ouais, je sais pas ça. Enfin, ça on verra plus tard. Hein. Donc, on l'a détruit la base là? Bah, ouais, hein, c'est une base pourrie. Là, il y a dans mémoire. Mémoire à Clémentinos. Qui a survécu dans cette maison pendant des mois. Et avec l'architecte. Je suis l'architecte Clémentinos. C'est moi qui fais toute la château. Non, et il me semble que c'était. Dans le serveur où j'avais l'idée à nous deux. On s'est dit ouais, pourquoi on fait pas un château? Non, tu m'avais fait, tu t'en souviens du pyramide qu'on avait fait dans la 1.1? Ouais, on a fait. Je t'ai fait oh, ça faut trouver un bon truc. Ouais, bon truc et après et on a trouvé un château à faire. Après on a eu bah je sais pas, proposé un truc. Ah oui, après je m'étais rappelé, j'ai fait tu te rappelles du château qu'on avait fait dans le serveur machin? Ouais, voilà. Ce qu'on avait fait, j'avais pas eu, on avait fait un château c'était un soir un peu PVP. Ouais, on avait pris un des versus cheaté et tout. Et après j'ai fait vas-y, on va essayer de le reproduire et tout. Et au final bah voilà, c'était ça l'histoire. C'est l'histoire du château. On va appeler le château de je ne sais pas quoi. Normalement avec mon écran, vous pouvez, si je vais là, enfin vu la taille de mon écran, c'est à peu près du j'ai du mal à voir. 23 pouces. Ouais, c'est ça, du 23 pouces. Ouais, c'est du 18 pouces, c'est ça. Moi, c'est du 15,6 pouces. C'était ouais, voilà, c'est un ordi normal. Ouais, voilà. Enfin, moi, c'est un écran de pute extrêmement grand. Donc, normalement, depuis ici où je suis exactement, limite, on voit la pointe gauche de la tour de gauche là. Moi, je la vois pas du tout, moi. Ouais, voilà. En fait, il y a une différence. Donc, avec, je pense qu'avec moi, vous pouvez bien voir les trucs qui arrivent, etc. Comme. Ouais. Avant quoi. Ouais, moi c'est du 15,6 pouces donc bon. C'est une salle de PNJ ici ou pas? Merde. Pourquoi beau? Parce que j'ai une table et une chaise. Ou sinon je la mets tout à gauche là-bas. Sur une. Et si je voulais même mettre peut-être l'infirmière ou le bric-à-brac. Ouais, vas-y, on la met là. Et après pour l'instant, je sais pas, elle est toujours pas là l'infirmière. T'inquiète pas, elle va arriver. Il est où le Bomberman? Bon, il est en bas. Ah, il est en bas. Attends, pourquoi il est là, il est pas au-dessus? Toi, je vais le mettre là. Lui là. Hop. Toi, t'habites là maintenant. Tiens, j'ai une manie, si tu veux, je te la donne. Je te réfléchirai. Ah, j'ai pas de manie. Donc, j'ai une panne en bois, mais bon, j'ai enlevé parce que je trouvais pas ça très. Ah oui, j'en avais une aussi. Ah, mais elle était un peu moins puissante. Donc, on va les miner, on va vous présenter les mines. Tu veux, on y va? Il faudra que je pose des trucs. Oh non, pire, je pose. Oh non, c'est bon. Enfin, je voulais poser une pièce d'or ici. Pièce d'or, lentille. Pourquoi voilà. On a réussi à avoir une pièce d'or? On vous a pas dit, mais enfin, si un jour. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va vous le dire parce que vous voyez que j'ai 168 slime et c'est un peu impressionnant. Donc, on va vous expliquer. Si vous. Je vais vous expliquer. Donc, merde, je vais te poser l'enclume. Donc. Maintenant dans la 1.3 il y a une nouveauté, c'est que comme de temps en temps il y avait dans la 1.1 il y avait des lunes de sang comme dans la 1.2, il n'y a pas de différence pour ça, ça n'a pas changé, mais il y a des pluies de slime maintenant et à la fin des pluies de slime il y a le géant slime qui apparaît, enfin le king slime. Et on est obligé de se le faire, sinon on pouvait pas. On est obligé d'attendre en fait. Si vous voulez, on devait tuer tous les slimes et à un certain moment il apparaissait et il a apparu. Et... Donc on a décidé ce. Putain, non, de la chance, on a décidé de le faire. Ouais. Tout récupérer.
Et voilà. Et d'ailleurs, vous avez bien vu qu'on a, on a rien découvert, hein. On n'a même pas cherché à découvrir la map. On a. Voilà. Enfin, moi, je sais pas, parce que moi, en tout cas, rien. Non, moi, j'ai rien cherché. Moi, j'ai rien découvert, donc là. Là, il y a du lead. Je te laisse le coffre, on attend. Ok. Alors, dans le coffre, j'ai un boomerang, du lead, du corde, etc. Potion de rappel. Il y a du lead aussi. Et j'ai un putain d'œil qui m'attaque. Ah, et non. Moi les slimes moi j'en ai 46 je crois. J'en ai pas tué beaucoup. Tiens. Nous on a un putain de spawn en fait hein. Dès le début on a une grotte, tu sais comme avant. Ouais. Et c'est exactement la même. Comme dans l'1.1, tu t'en souviens? C'est exactement la même. Genre dès qu'on... Je m'en rappelle pas. Dans l'1.1 si tu veux on montait un petit peu. Enfin on tournait. Ah j'ai confondu avec un zombie. On tournait un genre on montait. Tu sais la montagne qui était à droite là, tu t'en souviens pas? Ouais ouais. Et genre on allait un petit peu à droite et il y avait une toute petite mine. Qui allait vraiment profond. Ouais enfin. Encore du lead. Pourquoi je prends pas le lead? Bah je descends un peu tu vois, je pars en éclair. Je regarde si la mine est vraiment intéressante et d'après. Fixon part toujours en éclair. Ouais. Oh elle me tape le sale boulot. Non je suis en train de miner du cuivre. Ça sert à rien le. Je pense que je prends direct du lead, moi je prends jamais le cuivre. Ça sert à rien le cuivre. Ouais mais j'en prends tu sais pour peut-être Minecraft. Ah mais c'est cool parce qu'en fait on a un truc pour faire les boss. Ouais c'est juste à côté tu vois, on en a 3 en plus. Ah ça c'est bien ça c'est utile. Tu dis que bon. T'as dit que le cuivre servait à rien c'est ça? Pour moi je trouve que ça sert à rien, après je sais pas Putain moi je pose. Mais t'es parti où toi? Je suis là. Ouais, tu peux en prendre pour faire une armure, mais moi je trouve que ça sert pas des masses. Ah ouais. Oui, cette map c'est du cuivre, d'accord. Parce que sinon, des fois c'est du thym or. Ouais, soit c'est du thym or, soit c'est du minerai de fer. En fait, ça dépend de votre la génération que vous avez fait en fait. Enfin, ça dépend pas, c'est aléatoire en fait. Ouais, c'est aléatoire. Bah là, il y a du lead. Oh putain! Voilà. Il se noie. Comme Yannick Noah. Il est drôle ce Dixon aujourd'hui. Même moi je fais pas des balles comme ça, moi j'en fais jamais. Mito. Une petite balle ce genre là. Non, pas du tout. Non. Ah merde putain. Surtout bien économiser les torches. Parce que moi dans mon monde solo. Je galère, des fois j'ai plus de torches quand j'ai miné, j'ai plus rien quoi. Putain, t'es nul aussi. C'est la folie. Non mais c'était hier, je suis parti miner sans torche. Oh du minerai d'argent. Ah c'est de l'argent là, du Tungens. Bon d'accord très bien, je préfère ça en fait, je préfère que... Viens à droite, enfin à droite de l'écran je mettrai ce qui est égal à telle chose. Par exemple tu sais, de temps en temps tu sais, il y a des générations différentes. Ouais ouais. Donc je mettrais genre cuivre est égal aussi à thym or etc. Ouais ouais. Je chercherai une image et je la mettrai. Parce que j'aurai la flemme de tout écrire. Ouais le cuivre thym or, lead or c'est égal au fer. L'argent c'est égal au tungens. Je préfère quand même changer l'argent. Platinium. Ah c'est du platinium, ah ça s'équivaut à l'or ça. T'inquiète je m'en occupe. Ah ouais, les gros minerais, c'est bon, hein, ça s'en occupe. Par contre, le cuivre, là, ça y'a plus personne. Tu ramasses même pas le cuivre, trou de balle. Non. Non, c'est pas... Moi, je trouve pas que c'est utile. Hein. Depuis qu'il y a les armures en bois, je trouve pas que c'est utile. Y'a rien. Y'a rien, y'a une mine à côté, mais y'a rien. Bah, ça descend trop ici. Ah bon? Ah oui, ça descend par là où je suis. Ah bon? Bon. Ah bon? Ah! Alors j'ai 32 lead or, déjà ça commence bien. Nous allons pouvoir nous faire beaucoup de choses. Je sais pas si tu franchement on a une très bonne mine hein. Là où tu es, ça descend pas mal. Ah ouais bah tu peux ramasser. Non parce que moi je suis trop occupé. Tu vois. Là, là où tu es du lead. J'ai une famille à nourrir et tout. Ah je m'en fous, après je te fous du lead, c'est toi qui vas le prendre. Oui chef. Ah, moi je m'en fous, sinon je me fais une armure juste pour moi. Déjà un squelettron. J'avoue déjà. Il est si jeune.
pourquoi est-il dans ces cavernes? Quelles sont ses raisons? Quelles sont ses raisons? Attaque! Attaque-le, vas-y! Encore, c'est bien gel! C'est un slime, déjà, c'est pas du gel. C'est pareil, gel, slime. Oh! Oh! Pour ça, moi. Ah ouais, là, ça crie, là! Ouh là! Là, pour le platinium, ça y va, hein! Ah ouais, hein! Ouais, tiens, je te laisse prendre. Vas-y. Ah bon? C'est moi qui ramasse tout. Ah bah, moi, je prends le lead. Là, en dessous, il me semble qu'il y a de l'argent en dessous. C'est bon, on trouve plus de platinium que d'argent. La logique. Ouais, c'est pas très logique. Bon bah, on créera des mannequins et on mettra, tu sais, toutes les armures du jeu. Ah, on peut créer des mannequins. Ouais, allez, en bois. Tu peux mettre des armures. Des porte-armures, oui. Ouais, voilà, des porte-armures, des mannequins, ce que tu veux. Mannequins. Ah, ça ressemblera à moi, mais voilà. Ah, il y a une pteranodon. Ah, un nouveau mob. Un pteranodon. Oh, il y a des rails. Aïe. Aïe. Les rails. Attends, je prends le minerai d'argent. Putain, heureusement que je suis monté, il y a du platinium. Ah, tu m'attends avant de partir. Tu sais, on dirait la maman. Tu m'attends avant de partir, hein. Ouais. Hein. Tu m'attends, hein. Sinon, t'auras rien de fessé, hein. Sinon, t'auras pas de sucette, hein. T'auras pas de bonbons. Sinon, on passera pas devant la boulangerie. C'est mon préféré. Ah non. Dégage, méchante fille. D'ailleurs, en parlant de bonbons. Je vais crever. T'aimes bien la réglisse, toi? Viens m'aider, s'il te plaît, il y a un slide qui m'attaque. Non, j'aime pas la réglisse. Alors là, c'est le truc que je teste le bus. Y'a m'aider, y'a le. Oh là 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 là. Mais remonte. Ah, y'a Médusa. Ah, y'a Médusa, ouais. C'est bon, attends. Salut, bande de nuls. Tu l'as entendu faire. Oh là, ils sont fous ces monstres. Putain, y'a déjà Médusa, donc on l'appelle Médusa parce que bah, c'est une méduse. Hein, voilà. Bah, elle s'appelle comme ça, hein, c'est son. Ça, c'est. Ah non, c'est Médusa. Ouais, c'est Médusa. Ah, je croyais que. Enfin, nous on l'appelait Cassiopée, pardon. Ouais, par rapport à League of Legends, si ceux qui connaissent. Référence à League of Legends. Où tu vois du platinium, toi? Bah, c'est bon, je l'ai ramassé. Et où tu vois les rails? En bas, faut descendre. Parce que Médusa, elle apparaît que dans les trucs de rails. Ah ouais, c'est pour ça, d'après. Mais pourtant, elle est venue de droite, hein. Ouais, mais tu sais, le spawn est peut-être différent. À gauche, il y a du lead or, je crois, ou du cuivre, je vois mal. Mais... Je sais pas comment il fait pour voir, mais bon. Rien du tout. Avec son écran qui. De 40 000 pouces. 40 000 pouces, tu vois tout là. Tu sais que tu dois avoir un tout petit quand même. Hein. J'ai jamais joué à Terraria, j'ai jamais vu ton écran Terraria, mais. Ouais, il est jamais venu chez moi. Enfin, si, t'es déjà venu chez moi, mais genre, t'as pas joué sur mon ordinateur, ouais. En fait. Non, j'ai pas joué. Ouais, ça c'est un biome rail, le mec. Ça c'est extrêmement stylé, moi j'aime bien. Pas mal. Y'a de l'argent en bas là. Et tu. Lui, il déconne pas, lui fait. Ah, c'est bon, je crois que c'est éclairé. Je crois que c'est bon. Attends, j'ai encore du mal à voir là. T'as lagué en plus. Attends, je vais faire. C'est mon signe. Ça veut dire que je suis passé par là. Je t'ai vu TP là. Oh. Ah ouais, un Clémentinos qui a toujours en premier. Hein. Non, je te promets que je t'ai vu TP. Hein. Dans mon truc, je t'ai ah vu. Ah ouais, TP. Tu lagues. Hein. Moi, je t'entends laguer moi. Ah. C'est bien. Ah. Mais là, je crois que c'est toi qui lag. Ou c'est moi qui lag. Ou peut-être les deux. Vas-y, va tout seul. Vas-y, c'est bien. Vas-y, je t'aide. Mais non! Vas-y, bloque-le! Attends! Ah, c'est les bébés, les bébés! Non! Oh! Tout l'argent qu'il y a! On va devenir riche! Lui, tu sais, c'est après le combat, t'as une récompense! Ouais! Après avoir battu ce slime, vous pourrez avoir une. Oh, mais c'est quoi? Oh là là là, mais. Quoi c'est quoi c'est. Non mais je crois qu'on va être Vlastov quoi. Bah tant mieux, ça sera. Limite le fer ça sert à rien quoi. Bah je sens que dans cette série nous allons avancer vite hein. Bah comme dans l'1.1 on va finir au moins de même pas de. On a fait 25 épisodes je crois ou 20. 20. Ah voilà 20. Et merci pour les quasi 20 000 enfin non on va dire allez 16 000 17 000. On va dire, ouais 17 000 vues quand même, c'est énorme.
Ouais, on vous tient, vous remercier. Je pense. On est youtubeur de 200 abonnés et quand même de 16 000, enfin 17 000 vues, c'est énorme. Pour nous, ouais, c'est énorme. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour nous, c'est vraiment. J'ai imaginé 17 000 vues quand même, c'est immense. Alors que dire que 17 000 personnes ont vu ça quasiment, alors que nous, on est là, on se disait ouais, minimum 1000 pour parce que tu vois, c'est l'épisode final. L'épisode final, il y a tous les boss, genre ça va être intéressant. Alors je pense que ouais, petite vingtaine. Même pas, on s'est dit on va mettre l'épisode comme un épisode comme un autre quoi. Et on même moi je m'étais dit putain, il y aura 50 minutes, déjà ils vont se faire chier à la regarder quand même. Non, il y a 50 minutes devant. Moi personnellement, 50, moi je vois une vidéo de 50 minutes, je fais oh là là, c'est bon, alors laisse tomber quoi. Bah après, le titre a attiré, je pense aussi. Non, ouais, c'est attiré. Je pense pas qu'il y a des gens qui arrivent, vont regarder 50 minutes quoi. Ils, à mon avis, ils doivent passer, ils doivent sauter des. Ouais, ils attendent qu'on se fasse un boss quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, nouveauté de la 1.3, on peut maintenant monter sur des trucs. Et je sais comment on descend. Comment c'est, tu fais E. Alors fais E. Mais attends, mais monte. Attends, monte pas sans. Mais regarde. Ah ouais. Ah ouais. Bien joué. GG Wallplay. Voilà. Donc c'est hier, j'ai découvert ça. J'étais en mode solo. Bon, on descend là. Ouais, bah attends, on regarde s'il y a pas des trucs intéressants, tu vois, parce que regarde, il y a un petit. Ah, ça c'est un ouais. Hier, j'ai rencontré. Granit et mental. Ouais, ah, c'est... j'ai rencontré hier ce monstre. Je sais pas ce que c'était. T'en fais zéro dégâts, c'est un truc. Bah avec l'épée, on fait un dégât. Je me suis dit, ah oh ouais, mais là on s'est aventuré dans une mine, parce que les mines où il y a des rails, c'est des mines quand même. Où assez compliqué. Être... c'est bien stuff. Je sais pas à quoi sert ces trucs là, mais je pense que ça va tarder. On va tarder à le savoir. Je pense que les gens attendent qu'on descende. Ah, il y a un autre. Oh putain. On va dire que nous on a trouvé le truc idéal. Attends, on arrive, on mine, on s'est pas chier là. Attends, on a trouvé une mine et la mine nous mène à des autres mines. Et. Alors que d'habitude on tombe sur des mines, limite c'est des cul-de-sac après à la fin. Dans les mondes solo, tu sais, où on va ouais, en apprendre plus un peu. Ouais. Regarde-moi ça descend encore. Donc ça rejoint des mines. Ah, mais je crois qu'il y a des rails. Ah non. Non, c'est moi qui dis des conneries. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend les rails, on y va? D'accord, bon, je pense que la réponse est déjà. Ouais, je regarde juste, tu sais, j'éclaire pour dire que ouais, faudra aller par là, tu vois. Voilà, on quand on rentrera. Bah, moi, dès qu'on meurt, c'est limite. Fin de l'épisode. Oh! Ouh! Il y a du platine bah, en plus. Bah, tu auras le coffre parce que j'ai pris le coffre d'avant. Parce que chez nous c'est comme ça, c'est chacun son tour. Chez nous c'est chacun son tour, comme ça il n'y a pas d'injustice. Donc, après c'est une question de chance. Ouais, j'ai eu le boomerang. Ah, ça va alors. Alors ce qu'on veut absolument c'est le téléporteur. Ou soit au moins les bottes d'Hermès. Ouais, ou soit les bottes d'Hermès, c'est un des deux. Alors moi c'est vraiment le truc essentiel quoi. Parce qu'avec les téléporteurs, je sais pas si on pouvait avant. On peut se téléporter maintenant sur des gens. Alors, quand je dis ça, on a l'air complètement des cons et ça fait longtemps que ça y est. Ou soit ça a été mis il y a pas longtemps. Mais je pense que ça a été mis il y a pas longtemps. T'as ramassé tout le platine. Ou ça a été mis à la. Ouais. Ou ça a été mis à la 1.3 ou ça a été mis à 1.2, mais on savait pas parce qu'on était complètement débiles. Vas-y, on fouillera cette mine plus tard, d'accord? Tu veux? On va. Pardon. Ouais. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Aïe. Non. Non. D'accord, bon. Désolé les gens, bah, vous verrez ça plus tard. Hein. En plus, ça fait plus de 20 minutes déjà. Putain, je pense pas qu'on allait boire comme ça bêtement là. Ah, ça nique les yeux là. Ouh, ça fait mal, ouais. Quand tu dis, ça fait au moins un quart d'heure que t'es dans une mine. Hop. Bon, alors là, on va se faire jouer les stuff. Hein. Ah, c'est gentil. J'ai oublié de poser le four en plus. Ah ouais, putain, en plus. Là, il faut tout mettre à côté, il faut mettre le four, les trucs comme ça, moi t'arrives là. Il fait tout. Et donc, monsieur, il fait non. Il fait nope. Non. Comme ça, moi, tu peux tout faire. Ça, c'est la technique de Clémentinos. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi, je te propose de faire des armes en platinium. Je peux me faire une pioche. Ouais, une pioche, deux pioches en platinium de préférence. Ouais.
Ouais. Bah, on peut, non? Ouais, ouais. Tiens, regarde, je te file 6. Je te file mon lead, je te file mon lead là. J'étais tout filé là. Oh, putain, mais toi. En gros, c'est fais tout. Ouais. Allez, fais tout. Je fais rien. Ton coffre en or, tu vas le mettre. Bah, quand on vient, on va le mettre en haut, comme ça au moins. Tiens, c'est bon. Attends, je suis en train de. Attends, déjà. Attends, je te laisse le faire. l'arbre. Je suis en train de faire plein de trucs. Donc, on met tout au fond. Bah, puis on met tout au fond, ouais. Ah, mais. Ah non, voilà. Tout au fond. Non, je préfère le mettre vraiment le plus proche. L'un de nous deux aura une pioche en argent, ou soit. En fait, on n'a pas le choix, c'est soit. Ouais, on peut pas faire de pioche en platinium en fait. Pourquoi? C'est pas assez. Il en fallait 12. 4. Il m'en faut 3. Ouais, encore 3 ou 4 lingots. Je peux te faire une pioche en argent si tu veux. Bah fais même une pioche en argent alors. Putain. Toujours moi qui ai de la merde. Et tu peux me faire une épée alors en platinium? Si, mais après il y aura qu'un lingot de platinium. Ça me jette pas. Ah, on ira miner. Ok. Oh le truc. Ou sinon tu me fais une. Je sais pas. Bah, je sais pas. Bon, puis de toute façon on ira miner. Platinium. Tiens, je te fais une épée en argent si tu veux. Tiens, les pieux. D'ailleurs, hop, pieux. Les pieux. Maintenant les armures on fait en fer. Ouais. On a quand même pas mal de fer pour. Pas tout faire, mais on peut faire deux casques comme défense. On peut faire que deux casques, toi et moi. Bah écoute, deux casques. Hein. Après, on aura plus rien comme leader. On aura vraiment plus rien. Bah, tu sais, on dirait des motards. Alors, ouais. Pour nous reconnaître, moi je vais enlever mon. Ouais, non, mais non, t'inquiète, regarde. Ah, bah attends, je vais. Du coup, attends, qu'est-ce que je peux faire? Pas la peine, regarde. Pour manteau. Jaune. Même t'as qui? Ah mais ça fait très moche avec ton manteau jaune, ça fait. Oula. Ah, j'ai mis le coffre à minerai, mais du coup je sais pas si ça va bien. Minerai. Gaspard, on le déplacera ou. Ouais. Ah, j'aurais cru qu'on aurait pu se faire plus de choses quand même. Ouais, mon épée elle est vachement bien. 18% de dégâts, 5% de coup critique et 15% de recul. Oh, mais j'ai vraiment plus rien. C'est que je te dis que j'ai plus rien. C'est que. Genre, j'ai plus de lingots. T'as utilisé ? J'ai plus de lingots. J'ai plus du tout de lingots. Putain. Oh là 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 là. Bon, au moins on s'est restuff là. On a. De lingots de com. Si, il te reste du platinium. Ouais, une barre de platinium. Une barre, pourquoi une barre? Mais non, t'as fait une pioche. Ouais, il manque plus que. Ouais, une épée aussi. Mais t'as fait une épée, une pioche en platinium pour toi? Bah oui. Mais pourquoi? Il fallait garder le platinium pour faire. Mais j'ai dit de me faire une épée pour moi, pas pour toi. Ah bah d'accord. Comme ça, toi t'as la pioche en platinium et moi j'ai l'épée en platinium. Bah on échange nos deux épées si tu veux. Elle fait combien de dégâts ton épée? 17 plus 13% et de dégâts plus 5% de coup critique. Parce qu'en fait, moi, comme ça, je me suis dit, bon, toi, tu te fais une pioche en platinium ou sinon tu passes la pioche. Non, garde l'épée, t'inquiète, je garde la pioche. Et moi, je fais l'épée en platinium. Donc, bon, bah, on va réarranger tout ça et on va. Attends, on a une un trophée. Attends, je vais ranger les platinium, machin. Voilà, au pire, on skip et on dit. On fera ça plus tard. Enfin, Ah merde, bon, c'est pas grave. On fait ça ou pas? On arrête la vidéo. Ouais. Ok, n'hésitez pas à mettre un pouce à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, ça vous fera toujours plaisir. Et ne nous laissez pas. Suivez-nous vraiment jusqu'au bout de l'aventure sur Terraria 1.2. Ça nous fera très 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 plaisir. Un petit pouce.
1.3 et ça, nous... et ça nous fera très plaisir si vous nous suivez vraiment. Et restez comme vous êtes et ne changez surtout pas et abonnez-vous et soyez sages à l'école. Soyez etc. heureux et passez de bonnes vacances et voilà et voilà. Donc tous les deux nous. J'ai merdé putain. Clémentinos et moi on va tourner. Plein de vidéos, par contre on ne vous dira pas plusieurs fois des trucs comme ça parce que il va bientôt partir en vacances. Voilà, bientôt partir. C'est pas, il va rester en haut. Et il part en vacances et donc nous on va tourner plusieurs épisodes, pas maintenant mais un autre jour parce que là faut que j'y aille. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce. Bref, allez, ciao! Ciao, ciao tout le monde.